Sur la raison. Une ville abîmée n'anime pas ton âme. Tes textes sont juste des réflexions du malaise qui t'entoure. Avec une touche d'ironie, hashtag amuse. Qui dit mieux? Faut pas chercher, s'amuse. Laisse-la te trouver. Dès lors, à l'âge d'or, on décide d'encaisser. Rouler sa bosse avec les vieux, divorcer, heureux. De trouver une femme avec des enfants peureux. Ou suivre son cœur et ses désirs, pour le plaisir de vivre librement, autrement. Le mal ou le pire, sans moyen, se sentir bien, les cheveux dans le vent, suivre les saisons sans obligation et sans compter le temps. Voyager pour écrire, voyager. Créer et t'entourer des gens qui t'inspirent, ou faire semblant pour plaire, tout va bien, regarde derrière, y a rien. Regarde devant, tout reste à faire, comme les surréalistes dans les années 30, mais maintenant à l'instant est moins chiant. Vive la vie facile, sans domicile, encaisser la complicité, garder l'esprit mobile. Voyager, pour écrire, voyager. Il ne faut pas s'arrêter, faut commencer, toujours évoluer, chercher les particularités, des nouveaux sons à explorer. Dans les années 90, tu peux pas rester. Sur le divan, en avant, on regarde pas derrière pour rentrer devant. Yes man, c'est le principe du Pierre Citron produit par Jelly Van. Voyager pour écrire, voyager. S'installer quelque part pour un bout de temps. Prendre le temps d'écrire bien, manger pour peu d'argent. Des légumes fraîches et de l'eau de source dans le ventre. Chill, quitter la ville, vivre tranquille, café sucre lent. Nager dans l'eau cristalline de l'Andalousie. Le chien marche devant, prendre le risque de tout perdre afin de gagner rien que de l'argent. Et vois pas la même chose. Non, c'est pas comme tu penses.